fondement de ce qu'on appelle le vivre ensemble, c'est la lutte contre les discriminations. C'est le fait qu'un individu ne doit pas être discriminé, rejeté à cause de ses choix religieux ou de ses choix de vivre certains modes de vie sexuelle. Cette volonté de la République française de ne pas faire de discrimination dans les individus, c'est-à-dire de respecter un homme qui veut vivre avec un homme ou une femme qui veut vivre avec une femme, ça s'est exprimé par le pacte civil de solidarité, ce qu'on appelle le PACS. C'est deux individus qui disent on souhaite vivre ensemble, on souhaite être solidaires dans notre union et on souhaite l'exprimer devant toute la société française. Alors, il y a des hommes qui vivent selon le mode du PACS, deux hommes, deux femmes, mais c'est aussi une possibilité qui est ouverte à des couples hétérosexuels, un homme et une femme, qui souhaitent ne pas s'engager dans le mariage parce qu'ils trouvent que c'est quelque chose de trop contraignant. Et ils souhaitent avoir un mode d'union, un pacte, ça dit bien ce que ça veut dire, un pacte de solidarité qui ne soit pas un mariage. Alors ça a été le premier élément de liberté et d'égalité. Depuis quelques années, des couples homosexuels ont le droit de se marier. Et ça, ça a été une fantastique avancée dans notre société. J'ai moi-même assisté à beaucoup de mariages homosexuels. Et vraiment, le bonheur de ces individus, ça a été une des grandes joies de ma vie. Je comprends parfaitement que ce mode de vie, qui est le mode de vie de la société française, puisse choquer. Cela choque aussi des personnes chez nous, des Français, qui estiment que la famille, ça doit être un homme et une femme, avec le but de procréer des enfants. Mais je dis toujours, le bonheur des uns n'enlève rien aux autres. Si vous, vous pensez que le mariage, c'est l'affaire d'un homme et d'une femme, vous avez parfaitement le droit de continuer à le penser et de vous en référer à ces règles. La République française, elle ne vous impose rien à ce niveau. Mais si vous êtes homosexuel et que vous vivez avec un compagnon et que vous souhaitiez exprimer devant la société que vous souhaitez vivre ensemble, vous souhaitez être solidaire, en France, vous pourrez le faire. Chacun vivra selon son mode de vie.